de Terry, tu m'as fait une peur bleue. J'ai entendu du bruit, j'ai cru que c'était un cambrioleur ou un coyote. J'ai pas l'habitude de voir des enfants à la maison. Allez, viens. Merci. Tu dois avoir froid. 3 heures du matin, c'est un peu tard pour la baignade. On entend tout ici avec toutes ces vitres. Il faut que je pense à brancher l'alarme la nuit. Alors, tu viens? Red, tu prends trop de place. Erin, j'ai eu du mal, mais j'ai fini par trouver de la morphine pharmaceutique. Erin ? Non, pas maintenant. Erin. Erin. J'ai pensé que ça vous intéresserait. Bonjour. Vous avez besoin de moi? Oui. Dans la voiture. Patrouille 5L110 à centrale. Trace d'accident sur Malibu Canyon, direction sud. Je vais jeter un coup d'œil. Bien reçu. Patrouille 5L110 à centrale. J'ai un véhicule accidenté et une victime. Demande 2 unités de renfort. À vous. Bien reçu, 5L110. Ruby. Alors, Ruby, tu n'as rien à me dire? Tu as tué mes parents. C'est une accusation aussi délirante qu'affreuse. Tu as reçu des menaces de mort de la part de tes partenaires commerciaux. Je vous ai vu. D'ailleurs, Erin l'a bien dit, on a besoin de ta confiance, Ruby.
À 4 millions de dollars la confiance, je comprends que vous en ayez besoin. J'ai une affaire qui marche du tonnerre, ma femme fait autorité en médecine, et je viens de me trouver... Une nouvelle tirelire bien pleine. Ça, c'est des mots sortis de leur contexte. Des mots, c'est tout. Et si on parlait de la BMW que mon père avait ce soir-là? Quoi, la BMW? Pour l'anniversaire de leur mariage, je leur ai prêté une de mes BM. De toute façon, Dave n'est pas promené graisse dans ce vieux tacou de sable dont j'ai refait carrosserie et peinture. Une bonne action est toujours punie, hein? Quand ton esprit tordu de jeune bécasse, tout ça s'est devenu... Qu'est-ce que tu crois que j'ai fait, hein? Scier la colonne de direction? Enlever les plaquettes? Oui. C'est compréhensible. C'est la base de la psychologie. Tu refuses de blâmer ton père pour ce qui s'est passé. Tu refuses d'admettre qu'il était bourré comme un coin. Sinon, tu devrais te demander pourquoi ton père, mais aussi ta mère, picolait autant, et qui avait un comportement tel qui s'était mis à boire. Que ce soit clair, Ruby. Rhett et toi, vous êtes à moi. Maintenant, je te conseille d'oublier toutes les horreurs que tu t'es fourrées dans ta petite tête et de commencer à... Pique une crise de colère, mon chéri. Allez, viens. Recouche-toi maintenant. Non! Laisse-moi tranquille! Laisse-moi! Arrête! Non! Maintenant, écoute-moi bien. S'il t'arrivait malheur, on aurait encore Rhett avec nous pendant 7 ans. On n'a besoin que d'un survivant sur les deux. Erin! Erin, je t'en prie, empêche-le, je t'en prie! Erin! Aide-moi, je t'en prie, je t'en supplie! Attends, je suis sûre, elle ne te fera pas de mal, aide-moi, je t'en prie! Non! Non! Ne fais pas ça, arrête, Erin! Non! 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 Je te remercie de ton attention. Tu vas te sentir mieux maintenant. Détends-toi, repose-toi.